bonsoir. On n'est pas n'importe où ici. Ça fait quelque chose d'intimidant d'être dans la volupté de l'honneur. Et ça prouve bien que la philosophie est partout chez elle, mais enfin tout de même. Alors, aujourd'hui, c'est la première séance de ce qu'il faut bien appeler le dernier séminaire. Alors, ce dernier séminaire excédera un peu l'année académique. Il mordra sur l'année suivante, mais je le considérerai comme un seul séminaire. Et il ira d'aujourd'hui, lundi 19 octobre 2015, au lundi 16 janvier 2017. Alors, je peux déjà vous donner le calendrier total de ce dernier séminaire, pour que vous preniez toutes les dispositions requises jusqu'en 2017. Et je vous indique donc les 11 séances terminales de ce processus commencé il y a quelques décennies. Alors, aujourd'hui, et puis ensuite le 9 novembre 2015, en 2016, il n'y aura pas de séminaire en décembre. En 2016, le 11 janvier, le 15 février, le 14 mars, le 11 avril, le 23 mai et le 6 juin. Voilà pour l'année académique 2015-2016. Et puis, en 2016-2017, ce sera le 17 octobre, le 14 novembre, le 12 décembre et le 16 janvier. Voilà. Le 16 janvier, avec, je pense, l'accord que j'obtiendrai de cette maison, le séminaire durera toute la journée. Il commencera à 10h du matin et finira à minuit. Pour le cas, on aurait oublié quelque chose. Donc, le séminaire durera toute la journée. Le 17 janvier, j'aurai 80 ans. Et le 18 janvier, je commencerai ma quatrième vie. Alors, vous allez dire, pourquoi 4? Eh bien, je vais vous le dire, cette soirée est celle des confidences. Je considère que ma première vie a été l'enfance, de 1937 à 1953, à peu près. Ensuite, l'enfance, c'est l'enfance. On n'en dira pas plus, parce qu'on ne va pas ici se mêler d'une auto-analyse ou même de quelque chose qui y ressemblerait. La deuxième vie, ça a été ma jeunesse, que je situe de 1953 à 1968. Alors cette jeunesse, comment la décrire? Disons du point de vue des référents en termes de procédure de vérité, je dirais que c'est pour moi l'époque de l'écriture romanesque. En fait, c'est l'époque où j'ai publié 2 romans. Et de la politique classique. Classique, ça veut dire électorale. J'ai participé activement à des campagnes électorales, et je sais donc ce que c'est. Et puis, c'est aussi l'époque, cette jeunesse, de l'installation amoureuse et familiale. Donc c'est ce complexe-là, du côté, en somme, si vous voulez, de la procédure artistique, plutôt une représentation du côté du roman, du côté de la politique, en son sens ordinairement démocratique, finalement. La seule chose que j'ai évité, c'est d'être candidat, heureusement. Et puis, du côté de l'amour, à l'époque, classiquement, de l'installation amoureuse et familiale, et du point de vue de la science,
Déjà, je m'intéressais beaucoup aux mathématiques. Ça va courir tout du long. Ça, c'est la jeunesse. La troisième vie, c'est le déploiement adulte. C'est le long déploiement adulte que je situe de 1968 à 2017. Voilà. Alors là aussi, je pourrais tenter de le résumer ou de le formuler en termes de procédure. Il y a les nouvelles formes de la politique, à partir de 68, il y a les figures de la politique qui tentent de s'inscrire dans un autre espace que l'espace de l'État parlementaire tel que nous le connaissons depuis déjà presque deux siècles. Du point de vue politique, il y a, du point de vue de l'écriture, l'inflexion va être plutôt théâtrale, l'insistance va être plutôt du côté du théâtre que du côté du roman. Du côté de l'amour, c'est le moment où il apparaît que l'amour, c'est une aventure complexe, je le dirais comme ça, j'en dirai pas plus. C'est-à-dire, c'est plus la période de l'origine ou de l'installation, si vous voulez, la période qu'on peut dire à la fois conquérante et naïve. C'est l'amour comme aventure à soutenir, comme labeur complexe, finalement. Et du point de vue de la science, c'est l'installation vraiment prolongée, détaillée, dans certains secteurs des mathématiques, en appui à la philosophie. Et c'est aussi l'époque du déploiement philosophique, évidemment. C'est l'époque des grandes œuvres philosophiques proprement dites, où effectivement, pendant toute cette époque, la philosophie elle-même convoque comme une espèce de noyau fondamental de son être, la politique, les mathématiques, la poésie, le théâtre, etc. Voilà. Alors, donc, normalement, il faudrait que tout ça aille doucement vers sa fin, aux alentours de janvier 2017, de telle sorte que, à la différence des séquences antérieures, celle-là serait marquée par un élément de décision, quand même. C'est-à-dire la on n'est pas obligé de considérer que le déploiement adulte s'achève. On peut considérer que le déploiement adulte inclut la vieillesse et finalement, comme aurait dit l'autre, inclut l'être pour la mort. Moi, non. Je veux décider quelque chose, là. Et alors, il faut naturellement des symboles. Alors, le symbole, c'est 80 ans. 80 ans, c'est quand même pas rien. C'est une date qu'on atteint maintenant assez souvent, mais enfin, il n'y a pas si longtemps, elle était déjà très vénérable. Hein. Et c'est par exemple, l'âge de la mort de Platon. Alors, vivre après Platon, si vous voulez, un objectif moderne. Alors, ça sera quoi, cette quatrième vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ça sera en tout cas quelque chose qui sera au régime du commencement, justement, enfin, qui sera de façon décidée au régime du commencement. Le commencement de quoi? Sans doute le commencement engendré par ce que je considère quand même comme l'achèvement philosophique. L'achèvement philosophique, ça veut dire le sentiment que j'aurai d'avoir explorer, penser, déployer, discuter à peu près ce dont j'étais capable dans ce champ, ce qui veut dire en réalité l'achèvement du 3 ou du 4e volume, selon qu'on compte ou qu'on ne compte pas théorie du sujet, de la grande fresque philosophique proprement dite, c'est-à-dire théorie du sujet, l'être et l'événement, logique des mondes et l'immanence des vérités, qu'il faudrait donc finir, et éventuellement même publier, en grande pompe, le 16 janvier 2017. Je m'y emploierai. Alors, ce dernier livre, comme vous le savez, vous en êtes en partie les témoins et donc aussi les acteurs, puisque c'est le titre du séminaire et c'est work in progress philosophique proprement dit. Voilà.
À ce propos, je voudrais dire un mot des séminaires, à l'occasion tout simplement de l'apparition du dernier, à savoir le séminaire sur Nietzsche, qui sort ou est sorti ou va sortir, qui est le séminaire des années 92-93. Donc il a une vingtaine d'années, ce séminaire. Et je voudrais vous faire un peu de propagande pour les séminaires, non pas seulement ceux auxquels vous assistez, là, je ne vais pas quand même vous simplement vous féliciter d'être là, ce que je fais très volontiers, mais vous recommandez le séminaire pour la raison que je vais vous expliquer. Je pense que si on considère ce que j'ai fait, et au fur et à mesure que j'approche de ma quatrième vie, on peut le considérer de manière extrêmement synthétique, évidemment, si on considère ce que j'ai fait, je pense qu'il y a, s'agissant de la philosophie, la proprement dite, je pense qu'il y a deux méthodes possibles d'entrer dans cela, enfin, deux méthodes possibles de lecture, de pratique, etc. La première, évidemment, c'est ce que j'appellerais l'approche systématique. Alors, l'approche systématique, ça consiste à parcourir, et si possible dans l'ordre, les trois ou quatre grands massifs de la doctrine, à savoir théorie du sujet, l'être et l'événement, logique des mondes et l'immanence des vérités. Et là, on a arpenté la systématique, proprement dite, c'est-à-dire l'architecture vraiment globale de la philosophie. Ça comporte un assez rude travail, ça comporte des enjambements mathématiques, certes très éclairés, mais très, très, très présents, et en même temps, ça contient l'essentiel des propositions. Il y a peut-être une autre manière de faire, outre la manière qui consisterait à faire n'importe quoi, ce qu'on a envie de faire, évidemment, on ne parlerait pas parce qu'elle dépend de chacun, mais il y a une autre manière de faire qui est plus ordonnée aussi, qui serait ce que j'appellerais le voyage ordonné. Un élément voyageur, mais ordonné. Pas ordonné, mais non selon la construction systématique. Alors ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait intégrer en lecture préliminaire ou en ponctuation essentielle les deux manifestes. Le premier manifeste pour la philosophie et le second manifeste pour la philosophie, de manière à avoir en quelque sorte les arêtes, les points de repère, les points d'articulation, les nuages, et ensuite, et dans l'ordre qu'on voudrait, le séminaire, justement. Parce que c'est autre chose, naturellement, à la fin des fins, c'est la même, mais c'est quand même une autre façon de faire, et le séminaire, il avance vite, donc il est disponible en quantité. C'est une œuvre gigantesque. Et je voudrais ici profiter de leur présence pour remercier vraiment Véronique Pinault et Isabelle Vaudoz qui assurent quand même le gros du labeur, c'est-à-dire l'établissement du texte à partir de documents variables, soit des enregistrements intégraux, comme il s'en fait, soit des documents écrits, soit des notes, soit etc., et qui, avec tout ça, composent les séminaires les uns après les autres. Et alors, ils sont publiés dans un ordre un peu poétique, comme ça, ils ne sont pas publiés dans l'ordre chronologique, mais justement, ils incitent au voyage. Je vous rappelle que sont parus le Lacan, séminaire de 94-95, le Malebranche, séminaire de 86, les images du temps présent, séminaire de 2001-2004, Parménide, le séminaire de 85, Heidegger, séminaire de 87, et puis le Nietzsche, qui est là, et qui est le séminaire de 92-93, comme je vous ai dit. Dès l'automne, puis l'année prochaine, il y en aura deux autres, ça sort, il en sort deux par an, de façon absolument impavide et immuable, et il y aura le séminaire sur l'un, de 1983, Descartes, Platon, Kant, et puis, plus tard, l'automne prochain, le séminaire
que signifie changer le monde, c'est le séminaire de 2011-2012. Voilà. Alors, pour terminer avec ces premières annonces, je vous signale que le Nietzsche fera l'objet d'une présentation par moi à la librairie Tropique, 63 rue Raymond Losserand dans le 4e, et ce sera le mercredi 11 novembre. Le mercredi 11 novembre à 18h30 à la librairie Tropique. Et nous célébrerons donc, non pas du tout la boucherie de 14-18, le 11 novembre, mais Nietzsche, c'est-à-dire mon Nietzsche, qui, comme je le pense, comme je le propose, s'avère être un personnage très étrange et à beaucoup d'égards méconnu et en tout cas certainement suremployé à de basses besognes. Parce qu'il y a eu un Nietzsche sinistre, mais qui a été véritablement une fabrication de toutes pièces. Voilà. Alors ça, c'était au régime des propositions personnelles. Je voudrais aujourd'hui tenir compte du fait que c'est après coup que je me suis aperçu que ce séminaire avait lieu pendant les vacances. Et donc, je ne voudrais pas mortifier ceux qui, très légitimement, ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas venir, ou n'ont pas annoncé, mais n'ont pas pu venir. Et je vais donc je vais vous proposer quelque chose qui ne sera pas exactement le début de la grande fresque qui terminera en 2017, mais plutôt quelque chose qui normalement devrait se situer vers la fin, mais dont je vais donner une présentation informelle. Voilà de quoi il s'agit. Nous allons terminer la théorie de l'immanence des vérités par un retour finalement à la question la plus originaire, la plus primitive, qui est celle des conditions de la philosophie. Vous savez qu'il y a maintenant très longtemps, j'ai énoncé que la philosophie était sous condition et qu'elle était sous condition de vérité. Elle était sous condition générale des vérités, mais plus spécifiquement sous condition de quatre procédures de vérité que je spécifiais comme étant la science, l'art, la politique et l'amour. Donc nous avions ces quatre procédures comme architectonique générale des vérités, les vérités étant elles-mêmes les conditions de la philosophie. Alors, on m'a souvent posé, et j'affronterai cette question précisément, je l'espère, à la fin de l'immanence des vérités, on m'a souvent posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait se représenter comme l'éventuel croisement de deux procédures de vérité distinctes. Est-ce que cela avait un sens? Est-ce que la philosophie pouvait aborder non seulement la question des procédures de vérité dans leur nature propre, mais la question de leur combinaison? Qu'est-ce que c'est que le croisement de deux procédures de vérité? Et cette question est évidemment un peu ultime, puisque c'est la philosophie qui fait retour vers cette question, c'est-à-dire vers ces conditions, à un niveau de complexité maximale. Non pas seulement l'éclaircissement de ce que sont les procédures de vérité, mais l'éclaircissement éventuel de ce qu'on pourrait appeler leur réseau, le réseau des vérités, ce qui se tisse entre les vérités. Alors, en réalité, là, à l'arrière-plan de tout cela, il y a un point dont nous essaierons de dire quelque chose, mais beaucoup plus tard, qui est qu'en fait, un croisement de vérités, c'est ontologiquement un croisement de types d'infinis différents. Ça, ce n'est pas extraordinairement simple, mais j'essaierai d'en donner l'exposition aussi simple que possible. Une vérité touche toujours à l'infini, d'une manière qu'on élucidera, et qu'on a commencé à élucider, mais si elle touche, en règle générale, à un type d'infini particulier que l'ontologie mathématique permet de déchiffrer. C'est-à-dire, avec l'ontologie, nous pouvons savoir ce que sont des types de vérités différents. Et ces types de vérités différents sont convoqués dans chaque procédure de vérité de façon variable.
de façon variable, c'est-à-dire que l'infini qui peut être inaccessible, qui peut être un infini de résistance, qui peut être un infini de proximité à l'absolu, etc., les types d'infini sont convoqués par les procédures de vérité de façon distincte. Il en résulte que le croisement de deux procédures de vérité, c'est en réalité la question combinatoire, extrêmement sophistiquée, du rapport entre deux infinis différents. Et cette question du rapport entre deux infinis différents, nous ne cesserons de la hanter pendant toute cette année jusqu'au 16 janvier, comme la question qui habite véritablement, en dernier ressort, la question du rapport de la philosophie aux vérités. Alors, cette question a naturellement un tour tout à fait empirique que l'on connaît bien. Par exemple, il a été écrit depuis les origines d'innombrables choses sur le rapport entre l'amour et d'autres poésies et d'autres procédures, notamment la procédure artistique. Amour et poésie, qui définit quand même un genre entier qui est celui de la poésie lyrique. Amour et roman, on peut douter que le roman existerait si l'amour n'existait pas, ou il serait assez sec. Et puis, amour et cinéma, n'en parlons pas. Donc, en réalité, cette question, qui est une question que nous construirons petit à petit comme une question philosophique passionnante et complexe, est aussi une question absolument élémentaire et descriptive. Ce n'est pas une question qui a été posée bien des fois et sous toutes les formes. Il y a aussi, ça c'est sur amour et art, il y a quantité de méditation sur le rapport entre science et politique, et notamment cristallisé autour du statut dans cette affaire de l'économie. C'est-à-dire quelle est, en fin de compte, la pesanteur propre de l'économie et de la science possible de l'économie dans l'articulation finale de la politique. Il a été dit quelquefois que, y compris le marxisme ou le léninisme, pouvaient se présenter comme des politiques scientifiques, une tentation même de l'œuvre d'Althusser à certains égards. Mais de façon générale, la recherche de médiation de type scientifique entre la science et la politique était constante, à commencer par l'analyse sociale, la théorie des sociétés, et l'économie en tant que soubassement de la théorie des sociétés, et donc la convocation de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, finalement du calcul des probabilités, etc., est inhérente à la tentative de faire se croiser science et politique. Alors, sur le rapport de la science et des arts, est une donnée constante aussi. Bien entendu. Et ça depuis le début, parce que dès les débuts de l'architecture, l'architecture a aussitôt convoqué des problèmes complexes, à la fois de dynamique et de géométrie dans l'espace. Et aujourd'hui même, une partie de l'art contemporain est une tentative de s'approprier des éléments scientifiques, y compris de logique quantique aléatoire, de théorie formelle, etc., dans la production artistique proprement dite, c'est-à-dire de construire des objets, des installations, des représentations, des performances qui ont pour soubassement des développements parfois extrêmement raffinés et contemporains des différentes disciplines scientifiques. Des figures comme... c'est pas nouveau. Des figures comme Léonard de Vinci sont des figures qui s'établissent dans ce qu'ils écrivent explicitement à l'intersection et à la jonction de la science et de l'art. Alors la politique et l'art, c'est toute la question sans cesse rebattue des arts engagés, de l'art au service de la Révolution, etc., etc. C'est donc aussi une question absolument banale, particulièrement au XXe siècle, mais qui remonte à fort loin, parce que d'une certaine manière, l'exclusion des poètes de la cité par Platon, c'était la même affaire déjà. C'était déjà la suspicion portée sur certaines formes de l'art au nom de la politique juste. La politique juste était telle, la cité juste était telle, que toute une série de figures artistiques dominantes dans le monde grec en était soigneusement exclue par la rigueur platonicienne quant à la politique, précisément.
Donc tout ça indique aussi que les croisements entre politique et art ont été médités de très longue date et sous différentes formes. Quant à, au croisement entre amour et politique, il est quasiment le sujet principal d'une grande partie du théâtre. Donc c'est un ricochet compliqué. C'est-à-dire que là, le théâtre témoigne du croisement possible entre amour et politique, notamment dans la forme de la tragédie. Très souvent, la tragédie a pour enjeu, pour objet propre, un croisement entre amour et politique. Et alors, la philosophie qui va prendre position par rapport au théâtre, par exemple, va aussi prendre position, en fin de compte, implicitement ou explicitement, sur un croisement entre amour et politique. Le plus difficile, c'est de croiser amour et science. Hein. Je vous le laisse en exercice. Trouver les figures possibles du croisement entre amour et science. Mais ça n'est certainement pas impossible. Et nous pourrons montrer plus tard que la difficulté du croisement entre amour et science, c'est la difficulté du croisement de deux infinis qui ont du mal à s'apparier l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est effectivement c'est une réalité ontologique derrière cette non-évidence de la relation entre amour et science. Alors aujourd'hui, je voudrais, reprenant quelque chose que j'avais déjà entrepris, mais que je vais vous présenter un peu différemment, je voudrais donner un exemple. Parce que là, vous voyez bien, la procédure théorique va en passer inévitablement quand même par un petit escarpement sur la question des infinis, et sur la dialectique générale du fini et de l'infini, s'il est vrai, ce que j'estime pouvoir démontrer, que le réseau des vérités, c'est en un certain sens, d'abord et avant tout, le réseau des types d'infini, les connexions possibles entre types d'infini. Mais là, je voudrais prendre un exemple qui est un exemple de relation spéciale entre politique et poésie. Et alors, dans la forme du traitement d'un exemple historique. C'est-à-dire... La connexion est triple dans ces données initiales. Premièrement, ça se rapporte à l'époque de l'existence planétaire d'une référence communiste, c'est-à-dire à une époque où, quoi qu'on pense par ailleurs de cette situation, à l'époque où il existe deux hypothèses différentes sur le devenir général de l'humanité. Il faut bien, quand on parle de cette question, il faut bien se souvenir que ce n'était pas simplement l'apparition d'une orientation politique parmi d'autres, etc., etc. Ça a été pendant toute une période, commencée à vrai dire dès le 19e siècle et achevée dans le 20e, ça a été l'idée que le devenir général de l'humanité était soumis à une division conflictuelle essentielle entre l'orientation capitaliste et impériale d'un côté et l'orientation communiste de l'autre, et que c'est une affaire qui excédait, d'une certaine manière, y compris la politique elle-même, qui était aussi engagée dans la quasi-totalité des sphères de la disposition de la pensée. Autrement dit, cet exemple se situe dans la séquence de l'existence de deux visions du monde, de deux représentations du destin de l'humanité, l'une... fondée en fin de compte sur la propriété et la concurrence, l'autre sur l'idée de l'égalité et de la communauté, et puis après ça se ramifie jusqu'au dernier détail des politiques concrètes, période qui, en réalité, dans sa vivacité propre, est allée, à mon avis, de 1920 à 1980, à peu près, c'est-à-dire qu'elle a occupé une soixantaine d'années. Ça se situerait là. Deuxièmement, ça se situerait dans le contexte d'une grande effervescence poétique, artistique en général, mais poétique aussi, à partir des années 20, avec le surréalisme et quantité d'autres orientations et propositions concernant l'activité poétique et artistique, tout à fait d'une extraordinaire vitalité. Et troisièmement, ça se situe à l'occasion d'un épisode historique essentiel, à savoir la guerre d'Espagne entre 36 et 39. Donc, poésie et politique
à cette occasion, dans cette circonstance, et dans une figure exceptionnelle de croisement. Et on en voilà un corpus du croisement qui n'a pas beaucoup d'équivalent. Pas beaucoup d'équivalent. Alors, commençons par les poètes. Que durant le dernier siècle, dans presque toutes les langues de la Terre, de très grands poètes, des poètes de première grandeur, ont été des communistes, revendiqués. Alors, donnons une liste du forfait commis par ces poètes à cette époque. En France, Éluard et Aragon. En Turquie, Nazım Hikmet, immense poète. Au Chili, Pablo Neruda. En Espagne, Rafael Alberti. En Italie, Eduardo Sanguinetti. En Grèce, Yanis Ritsos. En Chine, Ai Qing. En Palestine, Mahmoud Darwish. Au Pérou, César Valero. Et en Allemagne, Bertolt Brecht. C'est une collection extraordinaire. Ça, qu'on soit communiste ou anticommuniste, c'est une collection extraordinaire de poètes. Il s'est constitué, en vérité, à cette époque, une internationale communiste des poètes. Il faut dire ce qui est. Ça n'a pas été le ralliement de tout le monde, mais jamais vraiment considérable. Et alors, ce lien, cet ensemble, est-ce qu'on va le comprendre comme l'effet d'une illusion, d'une erreur, d'une errance, ce qui est quand même le discours dominant s'agissant du communisme dans son ensemble. Mais ce rassemblement de poètes autour de l'idée communiste, est-ce qu'on peut, en tant que tel, le considérer ? Parce qu'il s'est matérialisé dans des œuvres qui subsistent aujourd'hui, qui sont lues aujourd'hui, qui appartiennent au patrimoine de la poésie universelle. Est-ce que c'était fondé, en définitive, sur un malentendu ? Ou au mieux sur une ignorance de la férocité, de la cruauté indubitable des États qui se réclamaient du socialisme ou du communisme. Alors, je voudrais dire que non, c'est-à-dire je voudrais dire que ce qui a animé ces poètes, même quand par ailleurs ils adoptaient la posture du ralliement explicite à des organisations, à des partis, ce qui les a animés, c'est une conviction d'un lien essentiel entre les deux, d'un lien essentiel entre poésie, telle qu'il la concevait, de façon transformée et radicale, et communisme, si on prend communisme au plus proche de son sens premier, il ne faut jamais perdre de vue, le souci dirigeant de ce qui est commun à tous. Souci dirigeant de ce qui est commun à tous. Et une sorte, alors, d'amour tendu ou paradoxal de la vie commune. C'est-à-dire de ce qui, dans la vie commune, permet de dilater et d'exprimer de façon différente la vie individuelle. Alors, le désir que ce qui devrait être commun ne soit pas approprié hors du commun. C'est-à-dire l'idée qu'il fallait désapproprier le commun de son appropriation privatisée. Et aujourd'hui, il n'est question que de privatisation. On peut dire que là... Mais faire des privatisations à un objet poétique n'est pas facile. Croyez-moi. C'est-à-dire, la poésie de la privatisation, on l'attendra longtemps. Parce que la poésie communiste, elle a eu lieu. Ça, bon, c'est un jugement comme un autre, mais c'est un jugement. Je crois aussi que le poète est communiste, en un sens originaire, pour une raison tout à fait essentielle, c'est que son domaine, c'est la langue. Son domaine exclusif, c'est la langue. La langue,
le plus souvent la langue maternelle, la langue en son sens le plus immédiat. Or, la langue, c'est ce qui est originairement donné à tous dès l'enfance comme l'exemple même de ce qui devrait être ou de ce qui est un bien commun. La langue, c'est ce qu'on donne à celui qui naît et qui, pour qu'il devienne un adulte et un homme ou une femme. C'est le don premier, la langue, le don social premier. Ça, il n'y a pas de doute. Et au fond, la langue, c'est ce qu'il devrait être, ce qui tend à être la support même de toute figure de l'égalité. L'égalité, c'est d'abord l'égalité dans la langue et pour la langue. Or, je soutiens que la poésie, qui a quelquefois l'air raffinée, érudite, etc., la poésie travaille à cela. C'est une des définitions possibles de la poésie, que dire que le poème, c'est ce qui travaille la langue comme un don fait à tout le monde. De là qu'il y a des rapports secrets et profonds entre la poésie et l'enfance, qui ont été repérés depuis longtemps. La poésie, c'est l'art le plus proche de l'enfance, même quand elle est extraordinairement complexe et sophistiquée. Au fond, le poème, c'est un don que le poète fait à la langue. C'est une donation par le poète dans la langue, mais fait à la langue. C'est un accroissement de la langue, un poème. Et ce don, comme la langue elle-même, est destiné au commun. Il est destiné à ce point où il s'agit de personne en particulier et où, en fin de compte, il s'agit de tous singulièrement. Alors je pense vraiment que c'est pour ça que les grands poètes du XXe siècle ont reconnu à leur manière, ont interprété à leur manière le grand projet révolutionnaire du communisme, ils y ont reconnu quelque chose qui leur était familier. Et c'est pour ça que tant d'entre eux se sont ralliés à cette entreprise. Quelque chose qui leur était familier. À savoir que le poème, lui, donne ses inventions à la langue, et comme la langue est donnée à tous, finalement, il convient que le monde entier soit donné intégralement à tous, comme le poème l'est. Il faut que, comme le poème, les choses deviennent le bien commun de l'humanité tout entière. Je pense que c'était là un projet très proche de l'essence du poème lui-même. Et c'est pourquoi nous avons eu, à cette époque, un croisement effectif, réel, matérialisé par de grandes œuvres, entre le communisme et la poésie. Alors, ce qui est très frappant, c'est que on voit bien dans les poèmes, qui sont quand même la source principale de cette investigation, ce qu'on voit bien, c'est que dans le communisme, les poètes ont surtout vu une figure nouvelle du peuple. Et ils ont vu une figure poétique du peuple. Ils ont vu la possibilité de poétiser le peuple lui-même. Et alors, peuple ici, ça voulait dire, à cette époque, d'abord les pauvres gens, la masse immense des pauvres gens, les ouvriers, les femmes abandonnées, les paysans sans terre, etc. Et alors, pourquoi tout cela intéressait-il le poème, vous me direz ? Cette question des damnés de la terre, comme on disait. Bien parce que c'est d'abord à ceux qui n'ont rien qu'il faut tout donner, tout simplement. C'est à ceux qui n'ont rien qu'il faut tout donner. C'est aux muets, aux bègues, à l'étranger, qu'il faut donner le poème. Il n'est pas fait pour être donné aux bavards, aux grammairiens ou aux nationalistes. L'idée même que le poème pouvait là trouver une donation ouverte à autre chose qu'à la spécialité a enthousiasmé les poètes. Au fond, c'est aux prolétaires,
Alors, le prolétaire défini comme celui qui n'a rien que son corps capable de travail, le prolétaire défini de la façon la plus générique qui soit, c'est à lui qu'il faut donner la terre entière, tous les livres, toutes les musiques, toutes les peintures et toutes les sciences, et c'est à lui exemplairement qu'il faut, par conséquent, donner le poème. Et ça, c'était une question bouleversante, parce que c'était une autre figure de la donation poétique qui s'ouvrait, pensait-il, croyait-il, mais il le pensait et il le croyait, que celle qui existait antérieurement. Et alors, tout ça a conduit ces poètes, et c'est là que le croisement devient intéressant, parce que le croisement entre politique et poésie devient aussi interne à la poésie elle-même. C'est un croisement qui a des effets, on étudiera ça dans le détail, mais c'est un croisement qui a des effets immédiats à l'intérieur même de la fonction du poème lui-même. Ça les a amenés à retrouver de nouvelles formes pour une très ancienne forme, à savoir l'épopée. En vérité, le poème des communistes, c'est l'épopée de l'héroïsme des damnés de la terre. C'est le poème de l'héroïsme des prolétaires. Voilà. Et la distinction est quelquefois tout à fait explicite. Par exemple, Nazım Hikmet, poète turc, distingue dans sa propre œuvre, d'un côté, les poèmes lyriques, explicitement consacrés à l'amour, et d'un autre côté, les poèmes épiques consacrés à l'action des masses populaires. Donc, cette conscience qu'on réintroduit l'épopée dans le poème par la médiation de la nouvelle espérance politique est réfléchie comme telle par les poètes. Si on prend un poète extraordinairement savant, on y reviendra tout à l'heure, très dense, très, très métaphorique, à savoir César Valiero, le Péruvien, il va néanmoins, lui, une sorte de Mallarmé d'Amérique latine, il va quand même écrire un poème qui s'appelle « Hymne aux volontaires de la République » et dont vous penseriez qu'il est écrit par Victor Hugo, évidemment, avec un titre pareil, « Hymne aux volontaires de la République ». Comme vous le verrez, ce n'est pas du tout le style de Valiero, mais c'est l'indice qu'au croisement de la politique révolutionnaire et de la poésie, vous avez nécessairement quelque chose d'épique, mais une épopée qui est à inventer, qui est à réinventer. Au fond, il retrouve ce qu'en effet Victor Hugo avait déjà découvert à un autre niveau, à savoir que le rôle du poète, dans sa liaison avec le mouvement historico-politique, c'est de chercher dans la langue la ressource neuve d'une épopée. La ressource d'une épopée qui ne soit plus l'épopée de l'aristocratie des chevaliers, mais qui soit l'épopée du peuple. La dimension épique, non pas d'une aristocratie militaire magnifique, mais du peuple comme tel. Et finalement, le poète communiste de cette époque, l'international des poètes communistes, va organiser le chant qui s'établit entre la misère, l'extrême dureté de la vie, l'oppression affreuse, tout ce qui appellerait, au fond, la pitié. Mais au lieu d'en faire une poétique de la pitié, ils vont en faire une poétique de la levée, du combat, de la pensée collective, du nouveau monde, donc de tout ce qui appelle en réalité l'admiration. Alors, cette poésie s'établit dans un conflit entre compassion et admiration. Et ça, c'est très profond. C'est-à-dire, est-ce que la figure de la misère du monde doit être traitée par la compassion ? Compassion qui, en un certain sens, est en effet inévitable et qu'il est juste de ressentir. Mais est-ce que, finalement, son destin, le destin de cette compassion, n'est pas d'admirer ce qu'il y a de résistant, d'héroïque et de grandeur, finalement, créatrice dans le mouvement politique, révolutionnaire, dans la levée, dans l'insurrection, dans la révolte, etc. Alors, finalement, on a une opposition qui est violemment poétique, qui structure tous ces poèmes,
entre l'abaissement et la levée, entre le renversement de la résignation en héroïsme, des choses de cet ordre. Et c'est ce dont ils cherchent tous, ces poètes, la représentation, la figure, la métaphore, la puissance symbolique. Bon, les poètes cherchent à dire, dans une figure de l'épopée nouvelle, ce qu'on pourrait appeler la patience des opprimés de tous les siècles, leur endurance, dans le moment où elle se change enfin en force collective, qui va être celle des corps qui se relèvent et des pensées qui se partagent. Et c'est autour de tout cela que les poètes se sont en quelque manière rassemblés involontairement autour de ce moment historique singulier qui a été chanté par tous les poètes communistes de cette époque, ceux qui écrivaient entre les années 20 et 40, à savoir le moment de la guerre d'Espagne entre 36 et 39. Alors, il y aurait bien des raisons, on pourrait expliquer de bien des façons cet engouement des poètes pour la guerre d'Espagne. Je n'entrerai pas dans les détails sur ce point, mais il y a un point qu'il faut souligner. Et un point qu'il faut souligner, c'est que la guerre d'Espagne, c'est le moment le plus fort, peut-être un moment unique à ce jour dans l'histoire du monde, de réalisation du grand projet marxiste de l'international. Parce que l'international, dans la guerre d'Espagne, ça a été autre chose qu'une bureaucratie soviétique. C'est-à-dire l'idée d'une politique révolutionnaire réellement internationaliste. Comme vous le savez quand même, j'espère, il y a eu un moment décisif et immortel, en un certain sens, dans la guerre d'Espagne, qui a été l'intervention des brigades internationales. Elles se sont appelées comme ça, les brigades internationales. Mais ça a été quelque chose de sans précédent. Ça a été une mobilisation internationale des esprits et une mobilisation internationale des peuples, réellement. On peut prendre le seul exemple de ce pays. Ce sont des milliers d'ouvriers français qui sont venus comme volontaires combattre en Espagne. Il faut imaginer ça. C'est pas un épisode quelconque. Mais il y avait aussi des Américains, des Allemands, des Italiens, des Russes, des gens de tous les pays. Et c'est peut-être la plus frappante réussite momentanée, circonstancielle, de ce que Marx avait pensé sous le nom d'international, et qui se résume en deux phrases. Négativement, les prolétaires n'ont pas de patrie. Leur patrie politique, c'est le monde entier. C'est le monde entier des hommes et des femmes vivants. Voilà. Et si le péril d'une fraction de ce monde est imminent et terrible, comme c'était le cas de façon explicite dans la guerre d'Espagne, où l'affrontement en dernier ressort était celui du fascisme et du communisme, sous des formes variées, alors c'est une question pour tout le monde. Ce n'est pas une question qu'on va laisser aux Espagnols. Et donc, l'organisation internationale, négativement, c'est la réalisation positive de ce que les prolétaires n'ont pas de patrie. Alors, parce qu'évidemment, on peut avoir une impression d'énoncé négatif, prolétaires n'ont pas de patrie. Mais le fait qu'ils n'ont pas de patrie veut dire le monde entier est leur patrie. Et la guerre d'Espagne, ça a été exactement cela. Où l'affrontement était en Espagne, mais Américains, Russes, Turcs, Chinois, Anglais affluaient pour se battre, pour participer à la conflictualité. Et alors, positivement, ça veut dire une organisation internationale, c'est ce qui permet d'affronter et de vaincre l'ennemi de tous, l'ennemi de tous les peuples du monde, c'est-à-dire le camp capitaliste,
y compris sous sa forme extrême, qui est le fascisme. Alors, les poètes communistes ont trouvé, vous le comprenez bien, dans la guerre d'Espagne, de grandes raisons de renouveler la poésie épique. Parce qu'en un certain sens, c'était par soi-même, dans la figure internationale des choses, c'était une épopée populaire qui soit simultanément, comme je le disais tout à l'heure, une épopée de la souffrance des peuples, car la souffrance était terrible en Espagne, et de leur héroïsme, héroïsme internationaliste, organisé et combattant. Et la jointure de tout cela pouvait être à la fois la figure d'une épopée effective, c'est-à-dire politique, et la figure de l'invention d'une épopée poétique, rendant justice, en quelque sorte, dans la langue, dans toutes les langues, car ces poètes ont écrit dans toutes les langues, rendant justice dans toutes les langues à l'internationalisme de tous les peuples. Alors, les titres des... Alors, il faudrait faire un livre qui, je crois, n'existe pas. En tout cas, à ma connaissance, il n'existe pas. Un livre qui serait le livre de tous les grands poèmes écrits à propos de la guerre d'Espagne. C'est un livre où vous auriez vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est que quelqu'un s'en occupe parmi vous. Et alors, on voit dans ce recueil que les titres des poèmes eux-mêmes sont significatifs. C'est-à-dire, les titres indiquent presque toujours une sorte de réaction sensible du poète, une sorte de souffrance partagée avec l'épreuve du peuple espagnol et d'enthousiasme partagé avec l'action internationale pour relever cette souffrance. Et ce mélange, cette juxtaposition organise un peu les titres des choses. Par exemple, le recueil de Pablo Neruda a pour titre « Espagne au cœur ».« Espagne au cœur ».« Espagne au cœur », vous voyez, c'est la figure qui va à la fois subjectiver l'adhésion à la souffrance, mais aussi l'adhésion à l'immense déploiement de la... C'est-à-dire que, évidemment, l'engagement premier du poète, il est une solidarité subjective, immédiate, affective. C'est ce biais-là qui va soutenir la possibilité du poème. C'est autre chose qu'un engagement politique, justement. Il y a un engagement poétique, et cet engagement politique, il part de l'immédiat et de la sensibilité active avec le peuple espagnol en guerre. Et alors, le plus magnifique titre de cet ordre-là, c'est celui de César Valero. « Espagne, éloigne de moi ce calice. »« Espagne, éloigne de moi ce calice. » C'est splendide, parce que le calice, c'est évidemment la métaphore du déchirement et de la souffrance du peuple espagnol, mais l'Espagne va être ce qui va éloigner du poète ce calice. En même temps qu'elle le lui propose, elle va l'éloigner. Donc, « Espagne, éloigne de moi ce calice », c'est vraiment un titre magnifique pour ce qu'est le croisement, là, du poème et de la politique. C'est-à-dire que le titre indique que pour le poète, la souffrance partagée devient sa propre épreuve poétique, à peine supportable, mais dont l'Espagne saura le relever, saura le guérir. Mais en même temps, Neruda et César Valero, à partir de ces points de départ voisins, vont développer dans la direction opposée. Ça ne va pas être une complainte, un pleur, une simple commémoration du calice et de la souffrance et du deuil. Ils vont chanter la liberté inconnue. Parce que c'est ça, je pense, le moteur secret de cette poésie. C'est une figure inconnue de la liberté, parce qu'elle est la liberté précisément haussée à la hauteur de la liberté égalitaire des peuples et des damnés de la terre, et non pas la liberté aristocratique de l'individu qui expérimente sa propre vie. Donc il y a une rupture, là, enfin une rupture, il y a une extension du mot liberté qui va être chantée précisément par les poètes. Et au fond, tout va témoigner du renversement d'une situation angoissée et particulière en une promesse universelle d'émancipation. Alors ça aussi, c'est la fonction du poème, vous voyez. C'est la fonction de saisir quelque chose d'universel dans quelque chose d'extraordinairement particulier.
c'est la fonction principale de la métaphore poétique, de la création poétique, c'est qu'elle va saisir dans le sensible lui-même, dans l'absolue singularité du sensible, le travail justement de la relève universelle de ce sensible. Alors, je vous dis comment fonctionne ce renversement dans les métaphores de César Valiero. Vous allez voir, c'était écoutez bien. C'est... Prolétaire qui meurt d'univers, en quelle harmonie frénétique s'achèvera ta grandeur, ta misère, ton tourbillon foulant, ta violence méthodique, ton chaos théorique et pratique, ton besoin dantesque, très espagnol, d'aimer, même en le trahissant, ton ennemi. Libérateur entravé de chaînes, sans ton effort, l'étendue aujourd'hui n'aurait point d'anse. Les clous erreraient, acéphales. Le jour ancien, lent, pourpre, nos crânes que nous aimons, sans sépulture. Paysan tombé pour l'homme, avec ton feuillage vert, avec l'inflexion sociale de ton petit doigt, avec ton bœuf qui demeure, avec ta physique, avec ta parole aussi, attachée à un piquet, et ton ciel affermé, et l'argile insérée dans ta fatigue, et celle restée sous ton ongle cheminant. Constructeur, agricole, civils et guerriers, de l'active, fourmillante éternité. Hein? Constructeur de la fourmillante éternité. Il était écrit que vous feriez la lumière, fermant à demi vos yeux avec la mort, qu'à la chute cruelle de vos bouches viendra l'abondance sur sept plateaux, tout dans le monde sera d'or subi, et l'or fabuleux, mendiant de votre propre sécrétion de sang, et l'or même, alors, sera de l'or. Voilà. Alors, vous voyez comment la mort elle-même, dont il est question ici tout du long, la mort au combat des volontaires du peuple espagnol devient une construction. On peut même dire que dans le poème, elle devient une sorte d'éternité non religieuse, une éternité terrestre. Le poète communiste peut dire ceci, que je vous redis, constructeurs agricoles, civils et guerriers de l'active et fourmillante éternité. Mais l'éternité, c'est pas la simplicité une de l'au-delà. Elle est ici, elle est convoquée par tous ces héros populaires. Elle est l'active et fourmillante éternité. Et c'est celle du vrai réel, tout simplement. C'est le vrai réel arraché, en quelque sorte, aux puissances cruelles. Et c'est l'action qui change tout dans la vie en l'or véritable. Et même l'or maudit, c'est ce que dit le poème, même l'or maudit des riches et des oppresseurs redeviendra tout simplement ce qu'il est pour tous, de l'or. C'est pour ça la métaphore extraordinaire. Et l'or lui-même, alors, sera de l'or. Et vous voyez bien que l'or, là, est pris dans deux sens opposés, dans une commutation, une transfiguration du mot or, du signifiant de la richesse au signifiant de ce qu'est le don fait à tout le monde. Finalement, on peut dire que la poésie chante le monde revenu à son réel, le monde vérité. Et ça peut naître ça pour toujours quand le malheur et la mort se changent en héroïsme paradoxal. Alors l'or lui-même finit par devenir de l'or. Est-ce que César Valiero dira plus loin en invoquant, là aussi, victime en colonne de vainqueurs. Victime en colonne de vainqueurs. Que les victimes, lorsqu'ils se sont disposés dans la puissance collective de leur rassemblement, forment une colonne de vainqueurs. Et il va s'exclamer, là aussi poussant la synthèse à son comble. En Espagne, à Madrid, on appelle à tuer volontaire de la vie. On appelle à tuer volontaire de la vie. La tension est à maximale. Et évidemment,
C'est la force du poème, ça, de pouvoir traquer dans la langue la puissance du paradoxe à nu, si je peux dire, à nu. Alors, Pablo Neruda, pour les comparer, c'est la poésie latino-américaine de cet épisode espagnol, Pablo part aussi de la douleur, de la misère et de la compassion. Le point de départ est un peu le même, et lui affirme un grand poème épique, qui a pour titre, enfin c'est un titre aussi merveilleux, hein, « Arrivé à Madrid de la Brigade internationale ». Ça, c'est un titre de poème, au moins. C'est pas comme Élégie à ma bien-aimée, arrivée à Madrid de la Brigade internationale. Et alors, il commence par dire, Pablo Neruda, ceci, « La mort espagnole, acide et aiguë, plus que d'autres morts, emplissait les champs jusque-là magnifiés par le blé. » Donc ça, c'est la constat terrible. Une mort plus aiguë que toute autre mort, et elle remplace la souveraineté du blé, la procédure de la nourriture. Mais c'est à quoi il est vraiment sensible, lui, Pablo Neruda, c'est l'internationalisme. C'est la venue en Espagne du monde entier. C'est cette nouvelle Espagne que sauve le monde entier, et de ceux qu'il appelle directement camarades. Et alors, je vous lis ce que Pablo Neruda dit poétiquement aux camarades venus du monde entier sauver cette Espagne où la mort a pratiquement desséché les blés. Camarades, alors, je vous ai vu, et mes yeux sont encore maintenant emplis d'orgueil, parce que je vous ai vu au travers du matin de brume, arrivé sur le front pur de Castille, ferme et silencieux, comme les cloches avant l'aube. Arrivé de loin, et de loin plein de solennité et d'yeux bleus, arrivé de vos cachettes, de vos patries perdues, de vos rêves, plein de douceur, brûlé et de fusils, pour défendre la cité espagnole, où la liberté traquée put tomber et mourir, déchirée par les bêtes. Frères, que dès cet instant, votre pureté, votre force, votre histoire solennelle soit connue de l'enfant et de l'homme, de la femme et du vieillard, qu'elle parvienne à tous les êtres sans espérance, qu'elle descende dans les mines rongées par l'air sulfurique, qu'elle monte aux échelles inhumaines de l'esclave, que toutes les étoiles, que tous les épis de Castille et du monde écrivent votre nom et l'âpreté de votre lutte, et votre puissante et terrestre victoire, pareille à un chêne rouge. Car vous avez fait renaître, par votre sacrifice, la foi perdue, l'âme absente, la confiance dans la terre. Et par votre générosité, par votre noblesse, par vos morts, comme à travers une vallée de dures roches de sang, court un immense fleuve de colombes, d'acier et d'espérance. Ce que l'on voit cette fois, c'est surtout l'évidence de la fraternité. Le mot camarade qui commence est suivi immédiatement du mot frère. Et alors, vous voyez que là, la fraternité met en avant non pas tant le changement du monde réel que le changement subjectif. C'est ça aussi qui va procéder ou être au cœur du croisement de l'art et de la poésie. C'est que la détermination de la situation va se faire non pas principalement par l'objectivité, mais dans l'avènement d'une nouvelle figure de la subjectivité. C'est ce que Neruda appelle la puissante et terrestre victoire, pareille à un chêne rouge. En fait, c'est avant tout la création d'une nouvelle confiance. Ça, je crois que c'est un point aussi très, très important. La confiance, dans cette affaire, est un mot majeur. Et au fond, il s'agit de sortir du nihilisme résigné, de toutes les figures du nihilisme résigné, en mettant à profit toute situation capable de créer une nouvelle confiance. Confiance dans les autres, confiance dans soi, confiance dans la situation, confiance dans la possibilité. Et honnêtement, je crois que cette valeur que célèbre Neruda, cette valeur constructive de la confiance, est particulièrement nécessaire aujourd'hui. C'est une leçon que nous devrions retenir, parce que la menace du nihilisme résigné est
particulièrement présente. Et donc nous pouvons aussi lire ces poètes comme des poètes d'aujourd'hui. Alors on pourrait parler aussi de Éluard, parce que la tonalité est tout à fait différente chez Éluard. Chez Éluard, il pense en fait que à la misère lui aussi. Je le cite, du beau monde des masures, de la nuit et des champs. Bon, beau monde des masures, de la nuit et des champs. Là, on entend le ton élégiaque d'Éluard. Et c'est frappant de voir que ce ton élégiaque est appropriable aussi à cette situation, qui est une situation épique. Éluard, lui, va prendre les choses sous cet angle. Il pense que les femmes et les enfants, plutôt que les guerriers, incarnent tout spécialement la bonté universelle, le trésor subjectif, si vous voulez. Et il interprète la guerre d'Espagne comme la défense par les hommes, requis au combat, requis, de cela, de ce qu'incarnent en réalité plutôt les femmes et les enfants en tant que figure universelle de la bonté égalitaire, de la bonté générale. Je vous lis un passage du poème dont le titre, là, cette fois, c'est « La victoire de Guernica ». Alors, la collection des titres à elle seule est un récit. Je vous lis un passage. Les femmes, les enfants ont le même trésor de feuilles vertes de printemps et de l'épure et de durée dans leurs yeux. Les femmes, les enfants ont le même trésor dans les yeux. Les hommes le défendent comme ils peuvent. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. La peur et le courage de vivre et de mourir, la mort si difficile et si facile. Homme pour qui ce trésor fut chanté, homme pour qui ce trésor fut gâché, homme réel pour qui le désespoir alimente le feu dévorant de l'espoir, ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir. Paria la mort, la terre et la hideur de nos ennemis ont la couleur, monotone de notre nuit. Nous en aurons raison. Nous en aurons raison. Je termine. Non. Voilà. Alors, je voudrais terminer par deux positions plus exotiques, qui sont d'une part celles... Parce que là ce sont des gens de langue espagnole que je vous ai lus. Donc, l'apparentement langagier, évidemment, pour un poète, est quand même fondamental. Et même si l'espagnol parlait au Pérou, l'espagnol parlait au Chili, a des inflexions particulières, on sent bien, dans toute cette poésie, on sent qu'elle est aussi le chant de la situation espagnole. Et donc le chant donné, comme je vous le disais au début, le chant donné à la langue espagnole. Mais je voudrais voir comment la chose se présente plus loin, de façon dans une autre langue. Et je vous parlerai de Nazım Hikmet d'un côté et de Brecht de l'autre, le turc et l'allemand. Le turc et l'allemand, ce n'est pas du tout l'Espagne, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est une autre langue et c'est une convocation poétique différente. La singularité de Nazım Hikmet, le poète turc, immense poète. Tous les poètes que je vous cite sont des très grands poètes, ce ne sont pas du tout des seconds couteaux, c'est le sommet. La singularité de Nazım Hikmet, c'est qu'il voit dans la guerre, d'abord, lui, la profonde universalité de la nostalgie. Un angle de vue très, 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 très particulier. Il est communiste, Nazım Hikmet. Il est communiste militant. Il a fait la prison à n'en plus finir. Donc, c'est pas un enfant de cœur de la nostalgie. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut faire entendre que le communisme poétique n'est pas réductible à une solide et vigoureuse certitude de la victoire. Il veut faire entendre le fait que la conscience politique rencontrée par le poème est aussi la conscience de quelque chose de méditatif, de patient et de profond, et qu'il ne faut pas la résumer par une sorte d'épopée de la victoire inéluctable et du lendemain assuré. Et alors... Il écrit un cantique à une sentinelle de Madrid. Il s'identifie de loin, comme ça, de sa Turquie, à un soldat républicain et espagnol en train de méditer, pris dans sa méditation nocturne. Et alors,
C'est la nostalgie anticipée, c'est l'anticipation comme nostalgie. C'est-à-dire, ce qu'il prête à ce soldat de Madrid, c'est l'idée d'une grandeur et d'une beauté qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas encore tout à fait venues. Et il pense que la subjectivité véritable de la patience militante, ce n'est pas la certitude de la victoire, mais c'est la représentation de sa nécessité. Et la représentation de sa nécessité, ça n'est pas forcément la représentation de sa certitude. La représentation de sa nécessité peut être nostalgique de ce que, justement, ça n'est pas encore advenu, alors qu'il serait tellement nécessaire et logique que cela advienne. Et voilà la conclusion du poème de Hikmet, qui est le cantique à la sentinelle de Madrid. Je le sais, tout ce qu'il y a de grand et de beau, tout ce que le Fils de l'homme créera de grand et de beau, c'est-à-dire cette terrible nostalgie, cette fin de mon âme, sont dans les yeux de ma sentinelle à la porte de Madrid. Et moi, comme hier, demain ou ce soir, je ne peux lui offrir que mon affection. Alors, c'est un mélange du présent, du passé et du futur que le poème cristallise sur le personnage imaginaire de la sentinelle face à l'armée fasciste dans la nuit et la neige de Madrid. Et au fond, il a la nostalgie au passé futur, si l'on peut dire, de ce que l'humanité vraie, c'est-à-dire le peuple combattant de Madrid, est capable de créer en fait de beauté et de grandeur. Elle est en train de créer la beauté et la grandeur. Et alors, si ce peuple est capable de le créer, alors l'humanité tout entière le créera. Et ça, en ce sens, nous pouvons être, nous avons le droit d'être déjà dans la nostalgie de ce que serait le monde si cette création avait déjà eu lieu. Donc la poésie, c'est aussi l'anticipation nostalgique de ce que la politique porte comme possibilité et qui est représentée par le sujet nostalgiquement comme cela aurait dû déjà être, cela sera, mais cela n'est pas encore. Et le poème s'empare de ce pas encore pour en faire entendre la voix aussi, et non pas simplement la voix en quelque sorte épique du combat. Et au fond, la poésie communiste peut être aussi une poésie lyrique en ce sens-là, bien que Nazim Hikmet ait lui-même opposé la poésie lyrique à la poésie épique, mais je pense que son génie propre était lyrique, et il a lyricisé la poésie épique elle-même, c'est ça qu'il a fait. Et poésie lyrique parce que si le communisme, c'est l'humanité réconciliée avec sa propre grandeur, avec ce dont elle est capable, eh bien, c'est ce qui aura été après la victoire. Et pour le poète, c'est déjà regret et mélancolie, cette aura été qui n'a pas encore été, aussi bien que, comme ce qu'il dit, c'est la fin de son âme. C'est un passé futur et finalement, c'est un point poétique où nostalgie et espérance sont la même chose. C'est-à-dire où espérer et être dans la nostalgie de ce que vous espérez, le fait que ce que vous espérez n'a pas encore eu lieu, fusionne dans le poème. Et alors, nous terminerons par ce florilège international, l'international communiste des poètes par Brecht. Alors, Brecht, je le signale, s'est naturellement lui aussi engagé dans la question de la guerre d'Espagne en écrivant une pièce didactique qui s'appelle « Les fusils de la mère Carrare », qui est en fait consacrée au débat intérieur. C'est très brechtien, comme toujours un peu oblique, comme ça. Les fusils de la mère Carrare, ou encore un titre, pour faire l'addition de tous ces titres, qui sont tous épiques, en réalité, d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, la pièce est entièrement consacrée à la nécessité de participer à un juste combat, quelles que soient les excellentes raisons de s'en tenir à l'écart. La pièce, c'est ça. D'ailleurs, la pièce est très fortement consacré aux excellentes raisons qu'on aurait de se tenir à l'écart de cette furieuse mêlée entre communistes et fascistes en Espagne. De très bonnes raisons que Brecht détaille avec une conscience aiguë de ce que lui-même les aurait sans doute partagé en partie, ces excellentes raisons. Car c'était un homme engagé absolument et d'une grande patience et d'une grande prudence en réalité, Brecht. Et donc il savait ce que c'était que la prudence. C'est aussi pour ça qu'il a fait de Galilée son héros, hein.
Galilée, celui qui a ouvert le monde à l'infini physique, mais qui n'avait pas très envie de se faire brûler vif par l'Inquisition, et qui, quand même, a sauvé sa proposition aussi en trouvant le moyen de se sauver lui-même. Ces personnages-là intéressent Brecht, à mon avis, parce qu'il s'y reconnaît en partie. Et là, c'est la même chose. Dans la mère Carrare, il est exposé d'immenses et solides raisons de ne pas se mêler de cette affaire bourbeuse et sanglante. Et finalement, mais néanmoins, la pièce est aussi consacrée au fait qu'à la fin des fins, il faut quand même s'en mêler. Ce qui, je crois, était tout à fait le chemin de Brecht, qui pensait très souvent que tout ça était quand même, comme il le dit dans une de ses pièces, tout ça sentait un peu le poisson pourri, mais qu'il fallait s'en mêler quand même. Voilà, c'était comme ça. Et ça, c'est une leçon qu'il dit esthétiquement, et dont il a fait théâtre et poésie. Mais le plus important, je pense, dans l'écriture brechtienne, théâtrale, puis finalement poétique, on va y venir, c'est que lui a été contemporain, vraiment, de très graves et sanglantes défaites de l'action communiste. C'est pas simple. Après tout, la guerre d'Espagne elle-même. Pas oublier que là, on a parlé de la guerre d'Espagne, on a chanté la guerre d'Espagne dans le moment de son incertitude combattante. Enfin, ça s'est très mal terminé. C'était quand même une terrible et sanglante défaite des républicains face aux fascistes. Eh bien, lui-même, Brecht, a été présent et actif au moment d'une autre, antérieure, terrible défaite, c'est-à-dire la défaite du communisme allemand face au nazisme. Donc lui, il a été aussi contemporain, finalement, de la défaite du communisme espagnol. Et alors, cette question de la défaite résonne, elle, vraiment, dans l'œuvre de Brecht, à l'intérieur même de la validation poétique de l'ensemble de l'entreprise. Je dirais qu'une des tâches qui s'était fixée depuis longtemps, comme une tâche poétique, Brecht, c'était de soutenir la confiance politique. Pas d'exprimer ou de traduire la confiance politique, pas de faire des poèmes politiques au sens strict du terme, mais de pousser le poème ou le théâtre jusqu'au point subjectif où on peut soutenir la confiance, même justement quand les raisons de la perdre sont extrêmes. Et ça, c'est la fonction propre de sa didactique. Sa didactique n'est pas du tout d'opposer un point de vue à un autre. Sa didactique est de consolider la confiance, la même et à travers les raisons dramatiques de la perte de confiance. Et donc, c'est la relève de la perte de confiance qui l'intéresse et pas du tout la pure et simple opposition classique, au fond, de deux visions du monde. Donc, le motif fondamental, c'est la confiance, une fois de plus. C'est ça qui est l'enjeu véritable. Et il a consacré à cette tâche subjective, qui finalement tourne autour aussi du renversement de la résignation en héroïsme, mais à travers le chemin subjectif de la confiance, certains de ses plus beaux poèmes. Finalement, il y a une concentration abstraite chez lui autour du motif de la confiance, et qui vise quand même à produire une sorte d'enthousiasme. Un poème que j'ai plusieurs fois cité déjà dans les séminaires, qui est le poème « Éloge de la dialectique ». Alors évidemment, « Éloge de la dialectique », ça c'est un titre brechtien par excellence, parce que ça veut dire « éloge » quand même des difficultés de la contradiction. C'est pas « éloge de la victoire », c'est « éloge de la dialectique », c'est-à-dire « éloge de la possibilité du retournement de la négativité contre celui qui la manie. » Et alors on y retrouve les métamorphoses temporelles de Nazim Hikmet, c'est-à-dire la puissance du futur, le présent ramené à la puissance du futur et le lien entre tout cela et le devenir historique. Alors je rappelle cette fin qui donc ose dire jamais. De qui dépend que l'oppression demeure ? De nous. De qui dépend qu'elle soit brisée ?
de nous. Celui qui s'écroule abattu, qu'il se dresse. Celui qui est perdu, qu'il lutte. Celui qui a compris pourquoi il est là, comment le retenir? Ça, c'est formidable. Celui qui a compris, pourquoi il est là, c'est le point clé pour Brecht. Comprendre pourquoi on est là, comment le retenir? Les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs, et jamais devient aujourd'hui. Donc finalement, le jamais de la perte de confiance doit être le aujourd'hui pour autant qu'on comprenne pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on ait une compréhension effective et novatrice de aujourd'hui. Enfin, la thèse de Brecht qui est concentrée dans ce poème, c'est que si vous comprenez pourquoi vous êtes là, alors vous pourrez dire que ce qui se présente comme impossible à jamais est en réalité aujourd'hui déjà là. Et en effet, comment l'action pourrait-elle se soutenir si elle n'était pas, d'une certaine façon, l'action au présent? Ce n'est pas vrai que l'action puisse être motivée par je ne sais quelle chimère au futur. Ça, on sait bien que c'est raisonner comme ça, c'est la racine du découragement. Les racines du découragement. Surtout qu'on peut toujours dire, oui, il y en a qui ont déjà essayé, vous avez vu ce que ça a donné, etc. La propagande est là pour vous le rappeler à tous les instants. Donc la chicane de Brecht, c'est de dire, voilà, on peut pas retenir, celui qui a vraiment compris pourquoi il est là, il est déjà tourné vers le futur réel, et par conséquent, pour lui, l'énoncé, ça n'arrivera jamais, devient, ça arrive aujourd'hui, c'est déjà là. C'est déjà là, et là aussi, je pense que c'est peut-être la leçon la plus importante aujourd'hui. C'est les spéculations sur ça n'a pas eu lieu, ça n'aura pas lieu, où en est le rapport des forces, etc. Tout ça, c'est bien joli, mais ça ne crée pas une subjectivité. Ça ne crée pas une subjectivité active. La subjectivité, c'est de comprendre absolument l'aujourd'hui en tant que cet aujourd'hui, c'est lui seul qui affirme que demain, ce sera les vainqueurs. Les vaincus d'aujourd'hui, s'ils comprennent pourquoi ils en sont là, s'ils le comprennent vraiment, eh bien, ils seront demain les vainqueurs et ils métamorphoseront jamais en aujourd'hui. Alors vous voyez, la poésie dit toujours l'essentiel, c'est ça sur quoi je voudrais conclure, c'est que la poésie, lorsqu'elle croise la politique, exprime, projette dans le langage un noyau essentiel de la politique qui n'est pas politique à proprement parler, qui est en réalité, ça on y viendra plus tard, qui est justement la découverte du type d'infini latent dans la politique. C'est-à-dire, en réalité, la force subjective et pensante de la politique. Et la poésie communiste des années 30 et 40, dont on vient de parler, elle nous rappelle, entre autres choses, que l'essentiel du communisme, de l'idée communiste, telle que ces poètes l'ont maniée dans leur internationale inventive, ça n'est pas identifiable à la férocité d'un État, à la bureaucratie d'un parti, à la bêtise d'obéissance aveugle, encore moins à l'esclavage et au travail forcé dans les camps, tout cela ayant existé, absolument. Mais le communisme ne nomme rien de tout cela. Et rien de tout cela ne nomme communisme. Le communisme, c'est la compassion pour la simple vie populaire, accablée par l'inégalité et l'injustice, qui est ensuite, en tant qu'on comprend pourquoi elle est là, la vision d'une levée, à la fois pensée et pratiquée. Et qui, le communisme, c'est ce qui rend possible de s'opposer à la résignation. L'ennemi du communisme, c'est le capitalisme, mais c'est d'abord la résignation. L'ennemi principal, c'est de se résigner à ce que les choses soient comme elles sont. C'est pas un jeu d'entité abstraite. Et finalement, il s'agit de changer la résignation en ce que j'appellerais, moi, un héroïsme patient. La subjectivité pour un héroïsme patient. Héroïsme parce que, de fait, d'une certaine manière, puisqu'on a complètement compris où on en est aujourd'hui, on a compris, par exemple, que la situation n'est pas bonne.
elle n'est pas toujours excellente, la situation, sauf que d'une certaine manière, qu'elle soit excellente ou pas, d'un point de vue en quelque sorte transcendant ou objectif, n'importe pas à la fin des fins. Ce qui importe, c'est l'installation de l'aujourd'hui dans lui-même, en tant que, finalement, il constitue cet héroïsme patient, il y a cette capacité à affronter le monstre sur place et dans la conscience assurée qu'il suffira de faire ce qu'il est requis de faire pour que, en réalité, ce qui est possible se transforme. Et on ne peut pas préjuger de la possibilité parce que, d'une certaine manière, il faut toujours la créer aujourd'hui, la possibilité. Donc vous ne pouvez pas commencer par dire « bon, voilà ce qui est possible, là, et puis je prends un morceau de possibilité. » Bien sûr, il faut analyser les situations, en fait, ça. Mais on voit très bien que le premier geste de la possibilité, c'est de déclarer que c'est possible, en tout cas. Parce que si vous n'avez déjà pas déclaré que c'est possible, vous ne pouvez pas demander que la possibilité vienne vous trouver, vous, personnellement, en vous disant « mon petit ami, je te déclare que c'est possible ». C'est quand même vous qui devez déclarer que c'est possible et pas la possibilité qui doit déclarer que vous devez déclarer que c'est possible. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et ça n'empêche pas ensuite d'analyser, comme disait Lénine, d'analyser la situation concrète. Bien au contraire. C'est exactement ce que dit Brecht. Il faut comprendre pourquoi on en est là. Absolument. Mais comprendre pourquoi on est là, de telle sorte qu'on ne puisse pas vous retenir après, quand même. Et c'est-à-dire que vous soyez celui qui, sachant absolument pourquoi il est là, va s'efforcer de créer une possibilité qui sera, aujourd'hui, la possibilité de n'être pas là, mais d'être autrement. Voilà, ça je pense que c'est et la poésie nous rappelle tout ça dans le trésor des images, des métaphores, du rythme, de la musicalité, de l'art. Elle nous rappelle cet élément subjectif dans la figure de l'art. Et alors, Brecht a très bien vu cela aussi. Et c'est la raison pour laquelle lui s'est opposé à la vision tragique et monumentale du communisme. Poétiquement, il a refusé d'être stalinien. Il n'a pas toujours refusé dans la situation. Mais poétiquement, il a refusé d'être stalinien précisément sur ce point. C'est-à-dire la grande vision monumentale... des peuples rassemblés sous la houlette de leur petit père, ça, c'était pas son affaire. Et donc, il pouvait au moins, poétiquement, fonctionner comme un homme libre en rejetant, en ne pratiquant pas cette vision tragique et monumentale. Oui, Brecht dira qu'il y a une poésie épique du communisme, il s'est toujours présenté comme un auteur épique, comme l'auteur d'un théâtre épique, mais... Cette épopée, c'est l'épopée patiente. Elle est héroïque par sa patience même. Et ça, c'est une invention, l'épopée de la patience. Parce qu'en réalité, classiquement, l'épopée est toujours l'épopée de l'impatience. Voilà. C'est-à-dire l'épopée du grand combat où tout va se décider en une fois. Et lui, il sait que ce n'est pas comme ça, que tout doit être toujours redécidé aujourd'hui et que c'est la patience qui va venir à bout de l'adversaire et pas l'impatience. Et alors il faut que tous ceux qui se rassemblent et s'organisent pour guérir le monde des maladies mortelles que sont l'injustice et l'inégalité, et pour ça il faut aller à la racine des choses, naturellement, analyser les situations, etc. Mais tout cela, va nous dire Brecht, c'est pas une vision eschatologique, c'est pas quelque chose de grandiose et de messianique à quoi on l'a souvent comparé. Hein. L'analyse du communisme comme religion séculière, comme disait Gaucher, a couru les rues. D'ailleurs, l'idée que ça imitait la religion en plus mauvais, c'est une idée courante. En tout cas, Brecht dit exactement le contraire. Il dit « ça n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire, de monumental, c'est pas une eschatologie, c'est pas une rédemption, c'est pas un changement absolu, c'est pas une vision apocalyptique, c'est au contraire ce qui est absolument normal. C'est l'autre qui est un monstre, mais la patience militante, l'aujourd'hui conscient de lui-même, c'est ça. » Ça reflète le désir moyen de tous sans qu'ils le sachent.
Il suffit d'aller les trouver, les gens, de leur expliquer cette patience, et ils la rallieront, parce qu'en réalité, c'est plutôt le grand discours du monument qui les effraie et les éloigne. Il faut faire comprendre la situation dans l'aujourd'hui de sa propre patience. Et c'est pour ça, c'est la fonction du poète communiste, tel que le voit Brecht, de nous rappeler qu'au fond, la maladie, la violence, la monumentalité, le grandiose en carton-pâte, le blockbuster social, c'est du côté du monde capitaliste et impérial, ça, hein, tel qu'il est. C'est pas du tout du côté de la grandeur calme, normale, moyenne et patiente de l'idée communiste. C'est elle qui est du côté de l'évidence tranquille. Et c'est les autres qui sont des monstres affreux qui s'agitent et qui mentent. Il faut être dans cette conviction-là. Et c'est ce qu'il nous dit Brecht dans un poème au titre, alors lui tout à fait étonnant, parce que le titre du poème c'est « Le communisme, c'est la solution moyenne ». Ça, c'est vraiment Brecht. Le communisme, c'est la solution moyenne. Alors je vous lis ce poème. Appelé à renverser l'ordre existant peut sembler terrible, mais ce qui existe n'est pas un ordre. Se réfugier dans la violence peut sembler méchant, mais ce qui s'exerce constamment, c'est la violence, et ça n'a rien de particulier. Le communisme n'est pas l'extrême qui ne peut être réalisé qu'en une toute petite partie. Mais, avant même qu'il ait été complètement réalisé, il ne peut y avoir d'état supportable, même pour quelqu'un d'insensible. Le communisme est vraiment l'exigence la plus petite, ce qui est le plus à notre portée, la solution moyenne, raisonnable. Celui qui se dresse contre lui n'est pas quelqu'un qui pense autrement, c'est quelqu'un qui ne pense pas, ou qui ne pense qu'à soi. C'est un ennemi du genre humain, qui, terrible, méchant, insensible, et particulièrement voulant l'extrême, dont il réalise lui-même la plus petite partie, précipite l'humanité entière dans la destruction. Voilà, comprenez, la poésie communiste, celle-là, d'un bout à l'autre, elle nous propose une épopée très particulière, l'épopée de l'exigence minimale, l'épopée de ce qui n'est jamais ni extrême ni monstrueux. Cette poésie, elle a une ressource, grande ressource de douceur, avec une ressource d'enthousiasme, et d'un bout à l'autre, elle nous a dit ceci, cette internationale poétique, bien distincte à certains égards de la troisième internationale, de fait, une internationale tout à fait particulière, elle nous dit, bien, levez-vous en tout cas pour vouloir penser, faire que le monde soit offert à tous, comme le monde qui appartient à tous, comme le poème offre à tous, dans la langue du monde, commun, qui s'y trouve toujours, si même c'est en secret. Alors il y a eu et il y a encore aujourd'hui d'innombrables discussions concernant l'hypothèse communiste. On en discute et on en discutera en philosophie, en sociologie, en économie, en histoire, en sciences politiques. Mais le plus fort, le plus singulier que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il y a peut-être une preuve du communisme par le poème.